Consciente que sa petite fille Laetitia Hallyday a clairement perdu la bataille de l'image dans la guerre autour de l'héritage de Johnny, Elliot Boudou a voulu rétablir la balance. Mardi, celle que l'on surnomme Mamie Rock a donc accepté de répondre aux questions du Midi Libre. Et elle n'a pas fait dans la dentelle. La plupart de ceux qui ont décidé de soutenir David Hallyday et Laura Smet plutôt que sa petite fille en ont pris pour leur grade. À commencer par Eddie Mitchell, grand ami de Johnny et parrain de Laura. Mais surtout, Elliot Boudou a balancé sur les sommes d'argent que David Hallyday aurait déjà reçues de la part de son père, de son vivant. C'est acté, le taulier avait déjà versé plusieurs centaines de milliers d'euros à son aîné dans les années 90 pour régler ses problèmes avec le fisc. Sauf que d'après Mamie Rock, ce n'est pas la seule fois que David Hallyday a réclamé une somme colossale à son père, quand on était allé à Monaco. Moi je me rappelle, David a demandé 1 million d'euros à son père et son père lui a donné 1 million d'euros. Et ça, il ne le dit pas assure Elliot Boudou sans donner de date précise, il n'avait pas de sous et il voulait ça. Et comme son beau-père, Michel Pastor, NDLR, n'était pas encore décédé, il n'avait pas encaissé.